Ok, mon frère. Est-ce que t'es prêt pour une playlist pré-match? Yeah. Non, sûrement pas Pump Up the Brotherkle. Zerg bleu, Argler bleu. Ok. Je vois. Si Bot Heaven, Diddley Doodle Hop et les Funky Synthesis n'arrivent pas à te convertir à la bonne musique, alors il ne me reste plus qu'à dégainer les demi-dieux du rock progressif, les dragons justiciers. Les dragons justiciers? Ça a l'air très agressif. Oh, c'est pas pour toutes les oreilles, c'est sûr. Ces types-là ont fait exploser toutes les limites de la musique. Je parle de partitions en clé du 3, de rythmes composés, de contre-champs en 7e diminué, de faux départs sur l'anacruz. J'ai dû comprendre deux mots, pas plus. C'est vrai, Kuljo. Il faudrait un Dico Brislovien musique de snob. N'écoute pas ces pharisiens complètement sourds. Les dragons justiciers vont éclairer ton esprit. Tu vas obéir. Quand tu entendras au travail, ton corps entier se figera. Allô? Bloc, ici la Terre. Oh non, il était pas prêt pour les dragons justiciers. Je lui ai lessivé la cervelle. Bloc, 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 bloc. T'étais totalement déconnecté. Est-ce que ça va, Bloc, mon pote? Blesse, bleu, bleu. Soldats de la forteresse, veuillez accueillir les super drakkers et les tout-puissants Iron Tank. Si Bloc joue aussi bien que la semaine dernière, les supporters locaux vont passer un sale quart d'heure. Uber fait l'usage de la force pour passer les milieux de terrain. Mais il se retrouve face à un obstacle de taille. Ok, mon pote. Phase 4. Au travail. Oh, oh, quelle incroyable absence de réaction de la part de Bloc. Bloc, qu'est-ce qui t'arrive? Mais faut te reprendre, là, mon pote. Faut rester concentré. Au travail. Au travail. Allez, au travail. Au travail. Nous approchons de la fin de la première période et Coach est d'ores et déjà en train de réfléchir à un remplacement. Je ne suis pas surpris. C'est sans doute la pire performance que Bloc nous ait jamais donné à voir. Cette fois, est-ce que tu pourrais enfin vraiment te mettre au travail? Ma moustache! Qu'est-ce qui t'arrive, Bloc? C'est comme si on t'avait été... Hé, Kuljo! Ton délire musical lui a complètement grillé les neurones! T'as raison! Le forcer à écouter ma musique a complètement chamboulé son groove! Ça va à l'encontre de tout ce en quoi j'ai toujours cru. Mais il faut régler ça. Bloc, prépare-toi pour une course presse de Pump Up the Brotherkle. Tu vas obéir. Alors, je dois bien l'admettre, Yarnine. Cette hypnose fonctionne vraiment à merveille. Hein? Ok, ça suffit. Hypnotiser l'ennemi est une chose, mais faire de tes coéquipiers des boniches... Une tasse de thé. Mais si. C'est anti-professionnel, vicieux, contraire à l'esprit d'équipe. Un petit biscuit? Volontiers.
Bon, qu'est-ce que je disais? Une petite seconde. Est-ce qu'il est... alors on va dire que c'est la dernière fois. Après le match, tu arrêtes cette folie. Quand tu rentreras au travail, tout ton corps se fichera. Tu vas obéir. Ah, vache! J'aurais jamais cru que c'était possible! Mais ce truc est encore pire que Pump Up the Brosecleux! Et ces Iron Tanks de malheur se sont servis de moi en plus! Oh! Je suis désolé, Block, mais tu vas devoir rester sur la touche pour le reste du match. Ouais! On n'a qu'à retourner ce truc contre eux! La seconde période vient de démarrer. Et les Iron Tanks reprennent là où ils s'étaient arrêtés. À ma grande surprise, Block est toujours sur le terrain, en dépit de sa première mi-temps catastrophique. Ok, mon pote. Maintenant, au travail. C'est de la blague, là. C'est ce qui s'appelle du tac. Wow! Block semble être à présent devenu un tout autre joueur. Maintenant, on va jouer ma partition, les gars. Putain pour les Uber Drakkers du numéro 10, Shade! Oh! Vous vous demandez pourquoi votre petit truc n'a pas marché? Voilà ce qu'on récolte, les gars, quand on veut se frotter à la défense en force! Phase 5. Plan de secours. Tu t'es servi de défense en force comme mot déclencheur? C'est juste diabolique! Wow! On dirait bien que Block entend se rattraper de cette calamiteuse première période. C'est exactement ça dont je parlais, mon frère. Non! Il est sous hypnose! Hein? Ah! Il doit bien y avoir un moyen de sortir de cet état. Une lumière vive? Un bruit assourdissant? Une grosse frayeur? Des chaussettes puantes? De l'eau froide? La force de l'amour? Non! Le plus horrible des sons atroces qui font saigner les oreilles qui existent dans tout l'univers. Quel est le problème? Block est à nouveau sous hypnose. Mais je sais comment le sortir de son sommeil. J'ai besoin de votre téléphone. Vous en faites pas, les amis! Je m'en charge! Et Block! Au travail! Bien essayé! Mais cette hypnose a totalement remplacé l'ancienne programmation! Allez, allez! C'est bon. Block, mec! Il faut que tu résistes! Comment puis-je vous aider? Oh, pardon. Ça, c'est ma voix de travail. Comment puis-je vous aider? Je suis venu pour diffuser une petite musique indigeste. Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Ou bien il s'agit d'une étonnante stratégie de coach. Ou alors Block commence à débloquer. T'es plus fort que ça, mon pote. Tu peux résister. On est la défense en force. T'entends ça, mon pote? Profitons-en! Ah, je commence à aimer cette musique. Oui, ça donne envie de danser. Pas la chanson, t'es malade, mec. Faire semblant d'attaquer son propre camp et faire rebondir la balle sur la cage, voilà une tactique vraiment surprenante. En tout cas, ça fonctionne. Les Iron Tanks sont complètement désarçonnés. Ah oui, tout
Yeah. Voilà, c'est de ça que je parlais. On l'a fait. Blablabla. Défense au fond. Le dinosaure.